En tant que mécanicien auto, vous permettez le violoniste de dire que c'est avec l'argent de la mécanique que vous avez pu payer des bourrées 2 500 000. Comme j'ai mon métier en main. La prochaine fois, vous répliquez ces gens. Qui est-ce? C'est ma femme. Ta femme? Oui. Donc, en plus des objets fragrants délits de haut gamme que nous venons de trouver, vous avez encore une femme de teint clair. Une femme mince. Ça aussi, ce serait une pièce à condition. Nous allons régler au poste. Bonsoir. Votre téléphone, papa. C'est pas mon. Hé, je veux du sens. Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Je suis mécanicien auto. En tant que mécanicien auto, vous avez ces applications-là. Non, je veux du sens. La prochaine fois, je demanderai à mon séance chef de vous maîtriser. Ici, nous sommes là au nom de la loi. Nous avons un mandat de perquisition pour votre chambre. Saint-Jean. Ça va chauffer maintenant. On est dedans pour la perquisition. Donc vous dites que vous êtes mécanicien auto. Bien sûr, chef. Avec des divans bourrés. Avec un téléphone portable iPhone 14 Pro. Non, c'est comme un. Avec des rideaux de luxe commandés depuis la Turquie. On connaît sa qualité quand on fait la perquisition. Je peux vous arrêter. La prochaine fois, je vous siffle. Saint-Jean. À moins ne faut pas maîtriser le. Un frigo. Ah, une chambre bien tapissée. Vous êtes même dans un salon bien staffé, ventilé. Et vous dites que vous êtes un mécanicien? Bien sûr, monsieur. Cette bourrée, cette divan bourrée, la coûte combien? Selon vous, monsieur. C'est un minimum, j'ai payé. Ah, ça va! En tant que mécanicien auto, vous permettez le violoniste de dire que c'est avec l'argent de la mécanique que vous avez pu payer des bourrées 2 500 000. Comme j'ai mon métier en main. La prochaine fois, vous répliquez ces gens. Vous êtes en état d'arrestation et tout ce que vous direz sera retenu contre nous devant le tribunal. Si vous n'avez pas un avocat vous sera connu d'office. Sergent, maîtrisez-le. On va à la pause. Chérie. Oui, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas compté. Hey, monsieur, qui est-ce? C'est ma femme. Ta femme? Oui. Donc, en plus des objets fragrants délits de haut gamme que nous venons de trouver, vous avez encore une femme de teint clair et une femme mince. C'est aussi une preuve. Oh shit! Oh shit! Sergent, embarque-le. Pardonnez, chef, il a fait quoi? La prochaine fois, tu sauras qui prend comme mari. Ciao. Oh. Oui. Comme ça. C'est lui ça. Qui lui? C'est toi, madame. Hé, hey, monsieur. C'est lui, Soso. Qu'est Soso? Et monsieur, venez s'il vous plaît. Vas-y, va se tenir dans le dos. Non. Ah. Des arnaqueurs comme ça. Le d'avoir un métier bien. Monsieur, connaissez-vous ce monsieur? Qui? Oui. C'est Gaïman là. Mais c'est un Gaïman. S'il vous plaît, la moto là appartient à qui? Attendez, la moto est devant quelle porte? Sa porte, bien sûr. Mais c'est sa moto. Mais... Oh! C'est sa moto. Il prétend dire que vous avez un téléphone. Puis-je avoir votre téléphone pour là? Oui, bien sûr, mon téléphone est là, monsieur. Sachant, tu vois? La vie. Quelle vie? Tu vois? Oh. Et en plus, il ment. En plus, il ment. Non, en fait, vous allez constater que je souriais. Oui? J'attendais ce moment depuis. C'est un Gaïman, c'est un Gaïman. Mais là, mais vous, c'est pourquoi je souris. Vous aurez dû, la vie. Mais vous aurez dû le dénoncer. Il a des numéros verts aujourd'hui établis par l'État pour dénoncer ces personnes. Le dénoncer, oui? Non, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Faut pas faire du mal à son prochain. Non, moi, je ne fais pas du mal à mon prochain. Je préfère que les choses arrivent naturellement. Vous voyez, on l'a attrapé naturellement. Vraiment. Vous vraiment. Voyez, donc, je préfère ça. Ah. C'est les Gaïman, ils ne le veulent rien faire. Vraiment, oh. Ils ne veulent plus. Ils salissent l'image de notre pays. Vous voyez. Mais comptez sur nous, les forces de l'ordre, nous allons rétablir l'ordre. Merci au beaucoup, pays. Monsieur. Merci. Essayez de les castrer. Devant moi. Ah, c'est bien. Il a le téléphone qui sonne. Décroche. Et mets-le sur le haut-parleur. Rapidement. Décroche. Le haut-parleur. Je viens d'entendre le nom sur le. Attention,
Un instant, je fouille les archives du téléphone. Ça, c'est la photo de qui ça? Ça vous là. Monsieur Boulay. En fait, Soso, c'est mon nom d'artiste. C'est pas mon frère. Il est venu mettre le téléphone en charge chez moi. Tu aurais dû nous expliquer ça depuis. Excusez-moi pour le dérangement. Je veux que vous me mettiez le portable, mon portable à la charge. J'ai pas de courant quoi. Ok, d'accord. Pas oui, merci beaucoup. On est ensemble. Oui, elle a fait votre fils. Elle va bien. Oui, elle va bien. Elle avait fêté son anniversaire. Oui, oui, hier. Bien sûr. Bien je ne lui ai pas donné de cadeau un instant. Je vais voir si j'ai quelque chose là. Voilà. J'ai un petit 20 000 là. Donnez-lui ce petit 20 000 là. Elle n'a qu'à prendre de la bière. Merci tonton, merci tonton. Oui. Et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo SOSO002 pour avoir 200% de bonus. Waouh, merci bien. Merci, merci. Je vais venir dans 30 minutes pour récupérer. Pas de soucis, pas de soucis. Ça, c'est un bon SOSO, c'est mon nom d'artiste. C'est pas. C'est. Et tout. Tu vas t'expliquer. C'est mon comme ça. Il va m'appeler pour coupon maintenant. C'est mon. Il va m'appeler pour coupon maintenant. Et y'a. Hein? Yous. On y va, Sajan. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez partager. Ah ouais. Comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo, la confiance n'exclut jamais le contrôle. Jamais. Et en voulant aider, soyez vigilants. Très soyez vigilant. Celui qui vivent, car l'homme noir est mauvais. Très, très mauvais. Restez sur vos gardes. Que Dieu nous protège. Amen.